Bonjour à tous, bienvenue sur Palan.org. Alors aujourd'hui, c'est une séance de détection. Voilà. J'ai appel à Frédéric qui est venu avec son outil. Voilà, son détecteur. Pour essayer de trouver des petites choses dans le sol, à la palombière. Voilà. C'est toujours intéressant, c'est assez prenant hein, comme activité. Alors, on va pas découvrir un trésor, hein, loin de là. Hein. Déjà, si on enlève toutes les, une partie des cochonneries qu'il y a, ce serait merveilleux. C'est un petit plus. Ouh. Ouais. Ouh, ce qui, ouh là, c'est gros. Ouais, c'est gros. Oh, c'est un truc en ferraille, ça. C'est énorme. Allons bon. Un gros morceau de ferraille, qu'est-ce que c'est? Tu vas l'avoir. J'espère, ouais. Oh, c'est bizarre. Vas-y Frédéric, vas-y. Ah oui, putain. C'est un outil. Et on est sur l'ancien chemin qui mène à la palombière numéro 2. Donc au fil des années, au fil des siècles, ben, il y a des choses. Oh oui, oula. Et c'est une racine qui est passée dans un outil. Ah, ça c'est merveilleux. Ouais. Voilà. Bon, ça va rester là. Hein. Ben oui, ça va rester là. Tu la laisses là, je l'enlèverai. Incroyable. Incroyable. Un morceau de ferraille. Voilà, qui est là. Alors il faut savoir qu'on est ici. Sur une ancienne maison qui a été rasée par les nazis. Et donc, on a trouvé quand même des choses, vous voyez. Une ancienne feuille, voilà. Des monnaies. On a trouvé deux monnaies qui valent pas grand-chose. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer, je les ai dans la poche. Je vais vous montrer. Alors, j'en ai une, et l'autre, elle est... Attendez, bougez pas. Hop. Hop, voilà. L'autre, elle est là, vous voyez. Voilà, on a trouvé deux monnaies, voilà, sur le chemin, un truc de fou. Et puis après, bon ben voilà, hein, de la merdouille, des anneaux, des choses diverses et variées, un système de fermeture de porte, des gonds de porte, voilà. Mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a. Moi, je suis assez bluffé de voir ce qu'il y a. Mais bon, cette maison, bon, elle a été détruite par les nazis pendant la guerre. Elle a été brûlée. Et on retrouve des choses autour de la maison, pas vraiment à l'intérieur, mais autour de la maison. Voilà. Alors, je vais m'amuser. Vous voyez, je vais me rebricoler la feuille que vous avez là. Et puis, je vais la remettre en état, tout simplement. Voilà. Alors, voici le butin que l'on a pu récupérer. En dehors des d'autres merdouilles, on a pratiquement rempli la moitié d'un seau. Alors là, ben, on a une superbe feuille, voilà, que je vais pouvoir remettre en état. On a une petite serpe, voilà. On a, bon, bien sûr, des anneaux, quelques systèmes pour les bœufs, hein, pour qu'on mettait au pied des bœufs. Voilà, on a ici une montre à gousset. Voilà, on a une boîte de médicaments. Voilà, où il y a marqué minéraline. Voilà, on a des, comment dirais-je, on a retrouvé des pièces. Bon, il y a des pièces espagnoles, une pièce de Napoléon III. Bon, ça n'a pas de valeur, hein, il n'y a pas de souci. On a trouvé une balle.
une balle de la dernière guerre. Alors, il faut que je nettoie pour voir le type de calibre que c'était. Mais c'est pas... Comment dire ? Bon, c'est du 7 mm hein, à vue d'œil. Mais c'est, il faut, faudrait que je regarde avec la loupe pour pouvoir déchiffrer le calibre. Voilà. Et ainsi qu'un bouton bien, bien conservé. De, un bouton américain de... comment dirais-je, de blouson américain, de guerre, voilà. Et ici, un bouton aussi, mais un bouton qui provient de juste après la Révolution. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça n'a aucune valeur, hein, c'est pas ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que le secteur, là où je suis, qui est un secteur forestier, était quand même quelque chose... qui a vécu, avec du monde qui a vécu. C'est là qu'on se rend compte qu'il y avait des choses, comment dirais-je, depuis après la Révolution, on trouve des objets, on trouve des choses qui ont appartenu à des gens qui vivaient dans le secteur. Et moi, je trouve ça assez, assez fabuleux d'avoir cette histoire-là sous mes yeux. Voilà, et je remercie Frédéric qui est venu, comment dirais-je, pour faire ce premier test, et c'est toujours intéressant. La feuille, là, je vais la refaire. Je vais la décaper, je vais la mettre nickel, je vais la refaire, et puis ça fera quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, en fait, bon, ça va faire, entre guillemets, un petit musée, voilà. Petit musée de la propriété, voilà. Et ça fait plaisir. C'était ma première en termes de recherche. C'était bien sympathique. J'ai passé une bonne après-midi. Allez. À très bientôt sur palon.org.